Salut mes King Family! Hey, je suis trop content! J'ai la couronne! Hey peux-tu croire ça? J'ai la couronne! Ben oui, j'ai la couronne! Hey, hein! J'ai la couronne! Ben oui! Vous pensez vraiment que j'ai la couronne? Ou vous, vous pensez que c'est un prank ou c'est euh, c'est pas un prank, hein? hein? Vous pensez quoi? Vous pensez-tu vraiment que c'est un prank ou c'est pas un prank? Hein? C'est-tu une euh, un montage ou euh, ou non? Ouais, on va voir. On va cliquer dessus bam c oui c'est un prank ben oui je vous ai eu ben ouais pourquoi c'est un prank parce que déjà premièrement la photo est en rond et, et pas carrée euh, deuxièmement elle est floue. et euh, quand habituellement eux qui ont vraiment une couronne ben on voit pas la couronne quand on clique dessus je vais vous montrer euh, une personne exemple euh, qui a une couronne exemple euh, euh, dans une minute euh, que je trouve le muscule du gars euh, il peut être loin euh, c'est ça ah lui je sais pas s'il y en a une Hein? L'hiver est arrivé? Non, lui en a pas. Attends, oui. hein. Et, euh, ouais, c'est ça. Que, ouais, 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 ouais. Il faut juste que je cherche là. Euh, tu, 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 tu. Quelqu'un qui. qui sait qu'il y a une courante, lui, je sais pas s'il y en a une. Non, y'en a pas. Bon, attends. attends. attends ah, Un ouais, bah. Ah, bon, il est là. Ok. Hein? Bon, vous voyez que lui a une couronne, hein, vous voyez, là, vous voyez, hein, quand je clique dessus, boum, regarde, tu vois, l'image est carrée, euh, et pas floue, et vous voyez pas la couronne, euh, que lui, il a vraiment une vraie couronne, ben ouais, okay. là, je vais vous montrer comment faire le, je vais vous montrer comment j'ai fait pour euh, faire mon, mon image, euh, euh, mon image en haut, euh, ouais, euh. Comment j'ai réussi à mettre une couronne que je vais vous montrer. Mon tuto. Okay. C'est parti, let's go. Bon, pour faire l'image de mon muscali, le prank, ben oui. Euh, premièrement, il faut aller chercher l'image, de la couronne sur Google Images. Ben oui, ben oui. Euh, il y en a juste une, cette image-là, qu'il faut que vous écrivez tout le titre qui est en bas, là, que vous... Euh, bon. Le titre qui est en bas, qui est marqué musée, euh, croire, walter, gg. Il faut que vous l'écrivez tout au complet dans la part Google Images. Et après, ben vous cliquez dessus. Hein, comme euh, c'est simple. quand En cliquant dessus, ben, il marque un et il va direct dans votre dossier. Okay, c'est ça. La deuxième étape à faire. Là, on va fermer ça. On va sur Muscali et moi, je l'ai ouvert. Et, euh, là, j'ai remis ma photo normale. Vous faisiez une capture d'écran. Moi, j'ai fait une capture d'écran avec le programme qu'il est en train de filmer là. Là, je l'ai déjà fait la capture d'écran. C'est ça. C'est simple de même. Vous faisiez la capture d'écran. Après, quand vous avez fini ça, vous allez sur euh, le progr un programme qui s'appelle... Euh, moi, je prends ce programme-là. Pour attisser mon capture d'écran, Photoshop Express. vous allez sur là-dessus. Hein? Bon, après, vous prenez l'image de la carte d'écran. Same même, Bonjour. Et après vous allez... Il euh, y a comme un petit euh, style carré, là, ici. Bon, que vous voyez. Bon. Là après, vous prenez. Vous choisissez euh, la taille que vous voulez. Hein? Et vous choisissez la taille que vous voulez. Vous prenez la taille que vous avez besoin. L'image va être floue, comme je vous l'ai dit, Moi, si vous ne voulez pas que l'image soit floue, prenez un autre programme. Moi, c'est un programme assez chic que j'ai. C'est ça. Vous mettez ça de même à peu près. Après, vous pesez sur ici pour dire ben, là, vous voyez qu'elle est de même, l'image. Vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre avec. Vous pesez sur la petite flèche là. Vous faites enregistrer. Là, vous avez cette image là. là dans vos dossiers. Que, regarde, si je vais sur mon dossier, je l'ai. Et il est là, tu vois. Je l'ai direct là. Okay, C'est ça. Après, vous allez sur un, un autre programme. Un programme de collage, qu'on pourrait dire. Ici. Hein? Euh, bon, ça qui euh, okay, s'appelle Cute Panther Photo. Ok, bon. Hein? Après, je vais ici. Hein, le bouton que vous voyez ici, Emmanuel Cute. Cute. Hein? Bon, ça c'est pas bon. Ok. Et vous choisissez cette image-là, l'image image de la couronne. Vous prenez le cercle que vous voyez en, en bas. Vous faites, euh, vous le soumettez vous ôtez juste le. Bon, attends une minute, là. Euh, euh, ok. Euh, M'excuse euh, si vous ne voyez pas euh, ma tête au complet. C'est la précision à faire, ça. Euh. Et voilà. Vous faites ça de même. Là, vous le placez correctement. Après, vous faites finaliser. Donner. Ben oui, bon, c'est ça. Simple de même. après vous allez sur pasteur photo vous prenez euh, votre euh, photo dans même euh, qui est marquée euh, Paco le King là euh, ici. après ben là votre couronne vous la voyez en bas comme vous voyez y en bas là vous la dézoomez. plus petit possible et vous la placez comme vous voulez vous pouvez la placer droite euh, croche moi j'aime ça croche euh, même si euh, la vraie couronne est droite mais gars là je vais la mettre direct pour vous le montrer vous choisissez la grosseur aussi okay, ça. vous la mettez là disant que c'est ça après vous faites enregistrer là il se être dans votre euh, dossier euh, image que okay, c'est ça là, je vais vous le montrer il se être dans votre dossier image et là regarde vous voyez et là et après, c'est 5, vous allez sur Muscali, hein, yeah. vous retournez sur Muscali, let's go, Muscali, yeah. et là, ben, TikTok, là, wah, 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 hein, bon, là, vous allez là, vous allez sur éditer le profil, hein, comme on fait, après, vous allez là-dessus, vous allez euh, euh, peser sur sélectionner dans la galerie. Vous prenez celle-là, qui est là, Suivre ». Et là, il faut que vous laissez un peu de blanc, mais il ne faut pas que euh, Paco le King apparaisse. OK? Euh, il hein? faut vraiment euh, pas que le mot Paco le King soit là. Mais il faut que vous laissez un peu de blanc à l'entour de la photo. Pour faire croire que c'est ça. Et là, voilà. Et là, vous faites terminer. Et euh. Et voilà. Voilà. Maintenant, vous avez votre photo avec votre couronne à côté. Et vous avez l'impression que vous avez votre couronne. Qu'est-ce que c'est ça? Que je vous laisse là-dessus, mes King Family. Je souhaite que vous avez aimé ce petit prank et ce petit tuto en même temps. Que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Bye mes King Family. Yeah, mommy. I just want to